Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli gilet au crochet. Vous pouvez le porter donc on va dire avec un maillot de bain en dessous ou avec un t-shirt manche longue ou t-shirt manche court. C'est vraiment à vous de voir comment vous désirez le porter. Il est adaptable, bien entendu. On va commencer avec ici. On va faire un premier motif en entier jusqu'à une taille. On voit que par exemple, c'est pour la bonne taille. C'est sur les cinq côtés, vous positionnez une des pointes vers le bras et la deuxième pointe doit se trouver sous le bras. Il doit quand même avoir la bonne ouverture pour passer un bras, bien entendu, pardon. C'est comme ça que vous pouvez obtenir la bonne taille en fait. On va faire un premier en entier, ensuite on va en faire quatre autres qu'on va assembler en même temps. Dès qu'on aura terminé, on va faire ici les bretelles, plus une finition avec le bouton. Donc ici, je vous montre vu de l'avant et ici, vu de l'arrière. Donc ici, je vous le montre d'un petit peu plus près pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Comme je vous disais, on va faire une première partie ensemble, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour prendre les mesures sur la personne. Dès qu'on a fait une première complète, on va en faire quatre autres et on va les assembler au fur et à mesure. Il y en a deux pour l'avant. Et ici, trois pour l'arrière. Ici, on a une, deux et une troisième ici. Vous pouvez, comme je vous le dis au fur et à mesure, vous pouvez très bien l'adapter à toutes les tailles, toutes les corpulences. Toute taille de poitrine, c'est vraiment à vous de voir à qui sera destiné. Alors moi, pour moi, ce modèle qui est une taille 38, j'ai eu besoin de 3. Donc ça, c'est ce qui me reste de la troisième pelote. Donc la marque Aline, 100% coton. C'est le pelote de 50 grammes pour 125 mètres, j'ai besoin de 2,5. Ça, c'est ce qui me reste de la troisième. Et j'ai utilisé le crochet numéro 3,5. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous aurez le lien direct pour la main droite que le lien direct pour la main gauche. Lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum mes vidéos. Donc ici, on va faire le premier motif complet. Et on va commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Ici, on va le chercher, on le ramène. On va faire une première maille en l'air qui va compter. Une deuxième et une troisième qui font une première bride. Un jeté dans le même espace, on fait une deuxième bride. Même espace, une troisième bride. On a fait un groupe de 3. Deux mailles de séparation. Toujours même espace. Un nouveau groupe de 3 brides. Au total, on va faire 5 groupes de 3 brides avec 2 mailles de séparation entre chaque groupe. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. On va prendre ici notre fil de départ et on va fermer notre cercle magique. Alors maintenant, vous avez deux possibilités pour terminer tous les tours. Je vais vous montrer. Donc, vous avez la possibilité de faire les deux mailles de séparation et une maille coulée ici dans la troisième maille. Mais après, il faudra avancer en maille coulée jusqu'au premier espace. Donc ça, c'est la première. Moi, je préfère celle-ci. C'est la maille en une maille de séparation, un jeté. On va ici dans la troisième maille. On ramène un jeté à travers le tout. Comme ça, on démarre d'un espace. On n'a pas besoin d'avancer en maille coulée jusqu'à l'espace. Là, on va déjà démarrer d'ici. C'est comme ça que je terminerai tous mes tours. Pour le deuxième, on va faire une, deux, trois qui font une bride. Dans le même espace, on rajoute deux brides de plus pour avoir un groupe de 3.
une maille de séparation. Espace suivant, on va faire un premier groupe de 3. Deux mailles de séparation et un deuxième groupe de 3. Une maille de séparation. Espace suivant, on va répéter exactement la même chose. Un premier groupe de 3 brides. Deux mailles de séparation. Et un deuxième groupe de 3. Donc ici, pour terminer, on va faire la maille de séparation. On avait commencé simplement avec un groupe, donc on va faire le deuxième groupe. Je vais terminer comme tout à l'heure, la maille de séparation. Un jeté, je vais entrer dans ma troisième maille. Je ramène un jeté à travers le tout. À nouveau, je vais pouvoir démarrer ici de l'angle. Donc on a ici 5 angles. 1, 2, 3, 4 et 5. Chaque fois qu'on sera dans les angles, on va répéter les angles avec les deux groupes et les deux mailles de séparation. Il n'y a qu'une seule chose qui va changer à partir de maintenant, mais qui est très répétitive, donc rien de compliqué. 1, 2, 3. On va recommencer avec la moitié de... On va faire un premier groupe de 3. On terminera donc avec le deuxième groupe. Maintenant, une maille de séparation. Dans la dernière bride du groupe, on fait une bride. Une maille de séparation. Dans la première bride du nouveau groupe, on fait une bride. Une maille de séparation. Dans l'angle, on va simplement répéter l'angle. La maille de séparation. Donc dans la dernière bride du groupe, la maille de séparation est dans la première bride du nouveau groupe. La maille de séparation directement dans l'espace. On répète les deux groupes. Donc ici, pour terminer, j'ai fait ma dernière bride, ici dans le groupe, la maille de séparation. On va terminer au point de départ avec le deuxième groupe. La maille de séparation. Ce qu'on vient de faire ici à ce tour, c'est ce qu'on va répéter en permanence. À partir de maintenant,
On fera toujours, donc les angles, on répète les angles, ça ne changera pas. On fera toujours une bride dans la dernière du groupe. Ensuite, on va faire bride sur bride. À chaque fois, on aura des nouvelles brides et une bride dans la première. Et au centre, on va répéter les groupes. Donc là, j'ai répété tout le tour de la même façon. Je vous montre une toute dernière fois comment terminer et reprendre, parce que ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter le nombre de fois que vous désirez en fonction à qui il est destiné. Donc, la maille de séparation. Pour terminer, je vais faire mon deuxième groupe là où on a commencé. La maille de séparation. À nouveau, 2, 3, donc comme on a commencé un groupe avec un groupe de 2, il faudra terminer avec le groupe de 2. La maille de séparation, donc ici dans la troisième et dernière, on fait une bride. Ensuite, on va simplement avancer en bride sur bride avec une maille de séparation entre chaque. Quand on a fait bride, une bride dans chaque bride, j'ai fait ma maille de séparation. On se retrouve devant l'autre angle. Donc dans la première, on en fait une. La dernière, ici la dernière, ici la première, c'est les augmentations. Si on oublie de faire ces deux-là, ben, ça ne va pas le faire. La maille de séparation, et on reprend. Donc là, vous avez compris. Vous allez simplement répéter ce même procédé, le nombre de rangs que vous désirez en fonction de la personne à qui il est destiné. À la prochaine prise, je vous montre comment voir, comment savoir un peu, enfin pas à peu près, mais comment savoir que vous avez trouvé la bonne taille. Donc ici, j'ai continué le même procédé et j'ai au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tours de la même façon dont je vous ai montré. Pour être sûr que vous avez trouvé la bonne taille, il faut que une partie, n'importe laquelle des cinq, quand vous posez sur la poitrine, arrive au milieu, au bas de la poitrine, mais des deux côtés. Comme ça, après, on va faire une petite finition sur le tout, on pourra même mettre des boutons. Quand vous en avez fait un au complet, donc pour terminer, ici, comme j'ai trouvé la bonne taille, je vais faire les deux mailles de séparation cette fois-ci. Je vais entrer dans la troisième maille et terminer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus et je coupe une petite longueur.
pour pouvoir le cacher. Pour réaliser ce gilet, on a besoin de 5 motifs. La seule chose, c'est que les autres motifs, on va profiter pour les assembler au premier. Donc les autres motifs, vous allez faire le deuxième, sauf que vous allez vous arrêter à la dernière rangée. Par exemple, moi sur 9, les prochains, je vais faire jusqu'à la 8. Et à la 9e, je vais faire l'assemblage. Le troisième sera pareil, quatrième et cinquième. Comme ça, il n'y a pas besoin de couture ou autre chose. Donc ici, j'ai le premier qu'on vient de terminer ensemble et le deuxième. Pour le deuxième, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai commencé mon dernier tour, sauf que je n'ai pas terminé. Ici, il me reste donc cet angle à faire et cet angle-là. Et on va profiter de ces deux angles pour faire l'assemblage avec le tout premier qu'on a déjà fait. Donc maintenant, pour faire l'assemblage, je vais pousser ça. Je vais positionner de cette façon-là. Je vais prendre donc celui qu'on est en train de terminer. Là. Les deux sont du côté à l'endroit. Ici, je vais faire une maille de séparation. J'attrape ici au centre celui qui est terminé. Je fais une maille serrée. Une maille de séparation. Je reviens ici dans celui qu'on doit terminer. Je fais une bride. Je retire mon crochet. Je vais ici dans celui qui est terminé, dans la première des trois. Je prends mon fil et je ramène. Un jeté, on va de l'autre côté. On fait la deuxième bride. Je viens de ce côté-là dans la deuxième. Hop. C'est pas compliqué, c'est juste la façon de le tenir. Et puis là, je le tiens pas bien. Je ramène. Un jeté, on va terminer avec le troisième. Donc pour terminer avec le troisième, j'ai fait ma troisième bride de l'autre côté. Je viens ici dans la troisième. Et je ramène. Ça, c'est ce qu'on fera chaque fois qu'on sera dans les angles, pour bien tout assembler. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. Je vais essayer de vous montrer comment moi je le tiens, même si c'est peut-être un peu... Voilà. Dès qu'on a fait l'union ici, on va faire la maille de séparation, comme on l'a fait jusqu'à présent. On va donc aller ici dans la dernière. On va faire notre bride. On tire un petit peu, on prend ce côté-là, on prend la première bride que nous avons ici. On prend notre fil, on tire bien dessus, pas que ce soit trop large. Dès que c'est fait, on refait la maille de séparation. On continue sur celui-là. Hop. On prend l'autre bride. Ici, qui se trouve devant. La maille de séparation. De ce côté-là, la bride. Ici, de ce côté-là, la maille de séparation. Donc ici, je suis arrivée. Je ne suis pas encore arrivée à la fin, mais c'est simplement pour vous montrer. Dans celui qu'on est en train de terminer, on vient de faire notre bride ici dans la première des trois. C'est tout à fait normal. Là. Là, on va faire donc la maille de séparation. On va entrer dans l'espace pour faire notre première bride. On prend la bride qui correspond ici. On revient pour faire la deuxième bride. Hop.
on prend celle qui correspond ici. Et on va faire la troisième bride. Là. Là, on va faire une maille de séparation. On va simplement tourner un petit peu. Et on va entrer ici dans l'espace au centre qui sépare les deux groupes. Avec une maille serrée. On remet notre travail bien à l'endroit. Et maintenant, on va entrer ici dans la troisième maille et fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus et on peut couper pour cacher nos fils. Donc ici, on a les deux premiers qui sont déjà assemblés. Pour le troisième, on va devoir faire l'union. Donc ici, sur un côté, l'union sur avec le deuxième ou le premier, je ne sais pas trop, jusqu'au centre. Et l'union également de l'autre côté ici. Ça sera la partie qui donnera cet effet là. Donc pour ça on va faire ce qu'on a déjà fait. Je vais simplement vous remontrer encore une fois. Je vais directement ici dans le centre. Après c'est juste question de bien tourner son travail et faire attention. Donc une première. Je prends la première qui correspond ici. Une deuxième. Je prends la deuxième ici. Une troisième. Voilà. La maille de séparation. On va ici dans la dernière, on fait notre bride. Ici, dans la première, on fait l'assemblage, la maille de séparation. Vu qu'on a le même nombre de chaque côté, il n'y a pas d'erreur possible. Donc ça, vous avez compris là, qu'on va le faire jusqu'à ce qu'on arrive ici au centre. On se retrouve là pour que je vous montre pour la suite. Donc ici, je vous montre, j'ai déjà pratiquement terminé ce côté. Là. Je vais donc prendre ici. Je vais faire la maille de séparation. Ici, je vais commencer. Donc la première bride, je vais prendre la première ici au centre, je vais faire la deuxième bride, la deuxième ici au centre. Et je vais faire la troisième bride. Donc ici, si on voit bien, on a déjà fait l'union ici sur ce côté. Maintenant, vous avez compris qu'on va faire pareil de ce côté-là. Pour ça, là, on va faire une maille en l'air. On va tourner légèrement notre travail. Ici au centre, donc pas dans l'espace ni dans l'autre, bien ici au centre, on va faire une maille coulée. Là. On va refaire une maille et on va revenir dans le même espace pour faire le deuxième groupe. Donc on fait ici le 1. On prend le 1 qui correspond de l'autre. Ça a l'air compliqué, mais je vous promets que ça ne l'est pas. C'est juste vraiment question de bien tourner son travail à chaque fois.
Là, vous avez compris. Là, je vais le mettre dans ce sens-là, ce sera plus simple, je pense. Ce qu'on a fait jusqu'ici, on va le répéter maintenant ici jusqu'à la fin. Donc ici, j'ai fait l'union. On voit très bien que j'ai fait les trois de ce côté et j'ai fait l'union avec les trois de l'autre côté. Là, on va faire comme on a fait tout à l'heure, la maille en l'air, et on va tourner légèrement là, pour entrer bien ici au centre d'espace qui sépare les deux groupes, avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Et on revient ici, dans la troisième maille, où on va terminer avec une maille coulée. Une maille en l'air, on coupe une petite longueur pour pouvoir bien cacher tout ça. Donc ici, je vous montre vu d'un petit peu plus haut. Là, on vient de faire la partie du dos. Maintenant, on va tourner ici notre travail, puisqu'on va faire les deux parties ici. L'union ici pour un côté de l'avant, et l'union ici pour l'autre côté de l'avant. Alors maintenant qu'on a mis notre travail à l'envers, donc l'envers vers nous, et que vous avez compris comment faire l'union, vous allez faire donc un quatrième ici. On va faire l'union, on ne se trompe pas, ici sur ce côté-là. Donc on ne va pas toucher à celui du bas, ni à celui du haut. Et ici, on va également faire l'union sur ce côté. On ne touche pas le côté du bas, ni le côté du haut. Pour ça, je tourne un petit peu mon travail, par exemple. Je mets, donc ici, c'est du côté à l'envers. Donc comme je l'ai dit, je vais essayer de remontrer vraiment correctement, parce que j'ai l'impression que je fais compliqué pour pas grand-chose. Donc ce côté-là, on ne va pas toucher, on va faire celui-ci. Ici, sur le bas, on ne va pas toucher, on va faire celui-ci. Là, c'est à l'envers, donc je tourne un petit peu pour travailler ce côté-là. Je prends, ça veut dire que je vais faire l'union de cette façon-là, d'un angle à l'autre angle, tout simplement. L'union comme on l'a déjà fait jusqu'à présent. Donc ici, il est du côté à l'endroit. Du côté à l'endroit vers moi, et celui-là, il est du côté à l'envers vers moi. Donc à l'envers contre à l'envers. Quand vous avez terminé ce côté-là, vous tournez un petit peu. Là, et vous allez faire la même chose sur ce côté-là. Ça veut dire que vous prenez là votre travail, à l'envers, et vous faites également l'union sur ce côté-là, exactement de la même façon qu'on a fait pour tout le reste. Donc ici, je vous montre ce que ça donne pour l'instant. On a donc ici les trois côtés pardon, de l'arrière, un du côté et l'autre de l'autre côté. Ça donne ça actuellement. Maintenant, on va faire ici les bretelles. Ce qu'on va faire donc d'un côté, c'est ce qu'on va répéter de l'autre côté. Alors maintenant, comme je vous disais, on va faire les bretelles. Ici, j'ai déjà fait une d'un côté. Donc, ce qu'on va faire ici de ce côté, c'est ce que vous allez répéter de l'autre. Plus votre bretelle sera longue, automatiquement, ce qui est assez logique, plus votre gilet va se poser sur la poitrine ou sous la poitrine. C'est vraiment à vous de voir si vous voulez, par exemple, la pointe, ici, le petit triangle se pose sous la poitrine. C'est vraiment à vous d'adapter, en fait, si vous voulez quelque chose qui se pose ou sur ou sous la poitrine. Alors, ce qu'on va faire ici, donc j'ai bien positionné pour pas qu'il y ait d'erreur. On positionne bien notre travail. Donc ici, on a l'union. Ici, sur le bas, on ne touche pas. Sur le côté, on ne touche pas. On va s'accrocher ici dans la pointe du haut. Alors, on ne va déjà pas aller dans la pointe, comme je viens de vous dire. On va entrer ici dans la première des trois. On va ramener. Ici, on y retourne, on ramène, on fait une. Je vais profiter pour pincer mon fil. On fait deux. On fait trois qu'il faut une bride et deux de séparation. Donc ici au centre, on va répéter les deux groupes. Donc un premier groupe de trois, les deux mailles de séparation, dans le même espace, un deuxième groupe de trois. Deux mailles de séparation. On va essayer dans notre dernière bride, on fait une bride. On tourne notre travail. Une, deux, trois qui font une bride, une, deux de séparation. On va dans l'espace. On
prends les deux groupes. Ici, on avait fait 5 mailles en l'air. On va aller dans la 1, 2, dans la 3e. Et on va faire une bride. On reprend, on tourne. 1, 2, 3 qui font une bride. 1, 2 de séparation directement. Ici, dans l'espace, on va reprendre les deux groupes. On va dans la 3. Donc ce procédé là, vous allez le répéter, là je vais positionner ça comme ça, autant de fois que vous désirez. Le but en fait, là je vous montre, je vais poser ça comme ça. Si la bretelle vous la faites parce qu'on va l'unir ici après dans les coins, donc ici j'ai déjà fait un coin et là on va faire le deuxième. Le but c'est si vous faites votre bretelle jusqu'ici, cette partie du dos, simplement jusqu'ici, ça risque d'être trop serré. Vraiment quelque chose de trop serré. J'ai fait au total, je crois, 3 ou 4 tours qui dépassent ici cette pointe. Donc j'ai fait au total ici, j'ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai fait 14 tours et c'est dans le 15e où j'ai fait l'union entre les deux. J'ai laissé, je crois, 3 ou 4 tours de plus pour dépasser ici la bretelle. Donc là, j'ai dépassé 2, 3, 4. J'ai laissé 4 tours de plus, en fait. Si j'avais travaillé simplement jusqu'ici, ça aurait été trop serré, dans tous les cas. Donc, en fait, j'ai fait le même procédé jusqu'au moment où je suis arrivée ici, plus 4 tours. Et le dernier, j'ai fait l'union avec l'arrière. Donc, je vous laisse répéter ce même procédé, 3, 4 tours de plus, que la pointe à laquelle on va l'attacher. Donc ici, je vous montre, là, je positionne bien droit. J'ai fait plus, donc en dépassant bien la pointe, j'ai fait 1, 2, 3, 4 de plus. Ici, au total, j'ai fait 14 tours. Le 15e, je vais faire l'union. Donc vous faites les dimensions que vous désirez. Ce que je peux également vous conseiller, si je peux me permettre, bien entendu, c'est que si vous avez peur que ce soit trop grand ou trop petit, que la personne n'est pas sous la main, mais que vous allez bientôt la croiser, on va dire ça comme ça, vous pouvez faire plus de rangs. Faites simplement plus de rangs que ce que vous désirez. Vous faites les coutures comme je vais vous montrer, mais vous ne terminez pas. Donc, vous ne faites pas la maille en l'air, vous ne cachez pas vos fils. Et quand vous avez la personne sous la main, vous faites essayer. Si ça convient, vous terminez correctement. Ça ne convient pas, vous défaites et vous reprenez. Alors là, moi, je vais faire l'union à ce stade-là. On a ici donc l'autre pointe, pas qu'on se trompe. On va entrer ici dans la bride qui est toute seule. Attendez. Non. Là, j'allais faire une petite... Non, comme ça. Là. Donc, ici, on rentre bien dans notre bride de ce côté-là. Et on va attraper le fil de l'autre côté. On ramène. Là, on va faire la maille de séparation. Donc, si on tourne un petit peu, vous avez compris que c'est ce qui est le plus pénible, c'est qu'on doit tourner en permanence. Donc ici, on va terminer avec la première. En prenant la première de l'autre côté, ça n'a pas changé. On va faire dans le même espace la deuxième. Dans le même espace, la troisième. Là. On va faire une maille en l'air. On va tourner légèrement. On va entrer ici dans l'espace qui sépare les deux autres groupes avec une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, on va continuer. Donc ici, de ce côté-là, on va refaire les trois autres. Une, on attrape bien celle qui correspond. On va faire la 2.
On va faire la 3. Voilà. Donc ici, on va faire la maille en l'air, le jeter. On va aller directement dans notre bride. Avec la bride, on prend ici la première de ce côté-là. Donc ici, c'est à ce stade-là, c'est où? Donc là, on va faire, pour terminer correctement, parce que j'allais zapper encore quelque chose pour changer, une maille de séparation. Et ici, dans la troisième, on va terminer avec une bride. Là, je vais faire la maille en l'air, je vais couper et cacher. Vous, c'est à ce stade, vous coupez pas, vous gardez simplement beaucoup plus de fil au pire des cas. Comme ça, vous pouvez ajuster, voir avec la personne quand ce sera possible. Alors maintenant que votre travail est terminé, donc les bretelles sont terminées, on va faire un tour ici. Donc on va démarrer ici au centre, on va descendre, continuer, descendre, on va faire ici sur tout le bas, remonter de ce côté-là. Là, je vais positionner ça comme ça. Il faut faire attention à ne pas s'embrouiller. Là. Donc, on va faire ici tout le tour. De là, on va remonter. Alors, maintenant que cette partie-là est terminée, qu'on a bien les bretelles, la bonne taille, et que tout est dans le bon sens, on va tourner simplement ici notre travail. Là. On va du côté. Maintenant, on va faire des brides ici du côté, à l'intérieur de notre travail. On va passer ici par le bas, remonter, refaire ici à l'intérieur et terminer où on a commencé. Donc à nouveau ici, je vous montre où je vais me positionner. Je pense que je vais me positionner par là. Là. Je vais entrer ici dans cette bride. Je vais profiter aussi pour coincer mes fils après. Ici, je vais faire une, deux, trois qui font une bride. Dans les espaces que nous avons sur les bretelles, on va faire deux brides à l'intérieur. Deux. On va faire une bride dans la bride, deux dans les espaces. Donc ce qu'on fait d'un côté pour une bretelle, c'est ce qu'on fera exactement de l'autre côté. Hein. Donc ici, je vous montre parce qu'en fait, la seule chose à bien faire attention, si on ne commence pas dans le bon ordre, en fait, dans le bon sens, vos brides ici vont être en envers. Donc c'est pour ça qu'on a commencé ici par l'intérieur. Ici, on a fait deux brides dans chaque espace parce qu'on avait fait deux mailles de séparation. Maintenant ici, sur notre tour, tout le bas, on va faire donc ici également tout le bas, revenir. Comme on n'a fait qu'une maille de séparation, on va faire qu'une seule bride à l'intérieur. Donc là, quand on a fini, on va faire dans le premier espace qu'on a une bride, vu qu'on n'avait fait qu'une seule maille de séparation. Dans la bride, une bride. Dans l'espace, une bride. Donc c'est une bride dans chaque espace. Une bride dans chaque bride. Jusqu'à ce qu'on arrive au premier angle.
Donc, je vous remontre. On a démarré d'ici. On a fait deux brides dans chaque espace et une dans chaque bride. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va répéter également quand on sera de ce côté-là. Là, on a fait simplement une bride dans chaque bride et une bride dans chaque espace. Quand on arrive ici dans les angles, on va faire une bride dans chaque bride, donc ça pour chaque angle. Ici, on va faire une, deux, trois, quatre. Donc, chaque fois qu'on sera dans un angle de ce genre-là, on mettra quatre brides. Maintenant, là, on va continuer. Donc, ici, sur cette partie-là, je vais essayer de vous montrer. On va continuer sur cette partie-là. Ici, dans l'angle, on va répéter les quatre à l'intérieur. De nouveau, ici, comme on est simplement dans les une maille de séparation, donc on fera une bride, une maille, on fera une bride sur bride, une bride dans la séparation, bride sur bride sur bride, une bride au centre. Ça, vous allez donc continuer ici sur toute la partie du bas. Revenir tranquillement ici de ce côté-là. Et là, vous allez faire deux brides dans chaque espace et une bride dans chaque bride. C'est juste pour vous aider. La seule chose vraiment à faire attention, c'est à bien tenir son travail parce qu'on peut très vite partir dans le mauvais sens. Et à ce moment-là, oui, on aura peut-être un petit souci après. Donc là, moi ici, personnellement, je vais faire ce que je vous ai montré. Tranquillement, parce qu'il ne faut pas te stresser pour ce genre de choses. Et on se retrouve après. Donc ici, j'ai fait tout le tour. Où j'ai terminé ici, donc avec une maille coulée dans la première bride. On va faire un tout dernier tour. Donc en partant toujours d'où on est. Sur tout le trajet qu'on a fait maintenant, simplement de maille serrée. La seule chose que je vais vous expliquer avant de le faire, c'est que là, on va déterminer où on va positionner le bouton. Par exemple, si vous voulez que le bouton soit à droite ou à gauche, ici, j'ai déjà pris le bouton. Quand on va arriver, si vous voulez qu'il soit de ce côté-là, quand on va arriver ici dans l'angle, donc on a les quatre ici. Alors, imaginons que là, vous faites vos mailles serrées jusqu'ici. Vous voulez que vous voulez que le bouton soit de l'autre côté. Donc, c'est ici qu'on doit faire les mailles chaînettes. Ça veut dire que on va faire donc les mailles serrées jusqu'ici. On a les quatre jusqu'à la deuxième. À la deuxième, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes, quel que soit le nombre. Et revenir ici dans la troisième avec une maille coulée. Et voir avec votre bouton si vous avez la bonne taille. Donc, ça, c'est ou si vous préférez que le bouton se trouve de ce côté-là et les mailles chaînettes de ce côté-là. Vous continuez simplement donc les mailles serrées et quand vous êtes de ce côté-là, vous faites simplement vos mailles chaînettes. Donc ici, comme je vous disais, j'ai terminé. Là, on va simplement faire donc un tout dernier tour. On va faire une maille en l'air, maille serrée. On va faire une maille serrée dans chaque bride que nous avons sur tout notre tour. Et comme je viens de vous l'expliquer juste avant, si vous voulez que votre bouton se trouve de l'autre côté, ça veut dire que qui se trouve sur cette pointe, ça veut dire quand on sera, quand vous allez être à cette pointe là, il faudra faire un nombre de mailles chaînettes et voir si ça joue avec le bouton. Si vous préférez le bouton de ce côté là, donc vous allez faire des mailles serrées sur tout le tour. Ici, quand vous serez à cet angle là, faire un certain nombre de mailles chaînettes et voir si ça joue avec le bouton. Donc là, on va simplement avancer en bride. En maille serrée. Alors moi ici, je viens de faire des mailles serrées jusqu'au premier angle. On a commencé ici, donc j'ai pas, parce que j'aimerais bien que mon bouton reste de l'autre côté. Donc ici, la seule chose, comme je dis, que soit de ce côté-là ou de l'autre côté, c'est à vous de juger où vous désirez. Je vais faire un certain nombre de mailles chaînettes. Dix. Mais je crois que c'est pas assez pour que le bouton y passe. Ah si, ça passe. Ok. Donc, je reviens ici dans la même maille, dans la dernière où j'ai fait
ma maille serrée et je fais une maille coulée. Maintenant que j'ai fait donc les mailles chaînettes pour mon bouton, vous avez compris, je vais tout simplement maintenant faire tout le tour en maille serrée. Jusqu'à ce que j'arrive au point de départ, je vais terminer avec une maille coulée, couper mon fil et le cacher. Donc simplement des mailles serrées sur tout le tour maintenant. Alors dès que vous avez fini de cacher tous vos fils et cousu votre bouton, ça vous donne ce très joli résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.